On est de retour ici à Sucy-en-Brie à Padel Horizon pour un nouveau tournoi. Dernière fois, ça s'est mal passé, vous le voyez, il y a un peu plus de chevelure que mon ancien coéquipier. Je vais jouer avec Manuel Vives, numéro 10 français, vous l'avez vu, il nous avait coaché. Tout simplement, je pars en baba, hein, ni plus ni moins. Donc là, on va se faire carry maintenant, c'est ce qui se passe. Non, Man m'a proposé justement de pouvoir faire un tournoi avec moi parce que après, ça sera plus possible en courant 2024 pour pouvoir un peu me coacher, me dire ce qui va pas, etc. Durant tout le tournoi, le but n'est pas d'en faire régulièrement des comme ça, de se faire carry, mais juste au moins de, sur le terrain, en avoir un. Il y en aura aussi justement avec Zary, peut-être qu'il finira sur ta chaîne. Mais en tout cas, aujourd'hui, les amis, ça vise la finale, c'est parti. Ça va être un mélange, un peu de conseils, un peu aussi, on va sûrement se marrer. Hein, c'est le but quand même, et le but ça va être de progresser. On teste plein de formats, on commentera à deux aussi peut-être. S'il est pas reparti dans un grand tournoi avec si son... ça se passe bien dans un premier temps. Peut-être comme d'hab. Attention, hein, monsieur a une confiance là de dingue. Je pense qu'il joue avec un demi-dieu alors que là, moi à droite, c'est abominable ce qui va se passer. Allez, on est parti pour le premier match de ce tournoi et des phases de poules. D'ailleurs, laissez-moi peut-être vous parler un peu du format. On est donc sur 6 poules de 4 équipes. Tous les premiers de chaque poule se qualifient pour la suite du tournoi. Et il n'y a que les deux meilleurs seconds qui continuent l'aventure. Donc honnêtement, c'est assez chaud, hein. Pas trop le droit à l'erreur. Et vous allez voir que sur ce premier match, on a été plutôt surpris parce qu'une équipe qui jouait très très bien avec en face un Italien ou un Portugais, mais des plutôt très bons gestes. Moi, j'ai commencé à gauche, hein. Voilà, on a essayé de travailler un peu avec Man dès l'arrière qui décale et qui vise la tête, qui a voulu tout simplement abattre l'ennemi. Hein, voilà, c'est peut-être comme ça qu'il a réussi à se faufiler au fur et à mesure jusqu'aux meilleures places du classement français. Mais ouais, non, comme je disais, ça a été quand même assez surprenant. C'était difficile de se mettre dedans. Man qui rentre bien là, justement, et un bon point qui fait plaisir et qui fait du bien. Et vous allez voir, hein, c'est vrai que sur cette chaîne, on a plus l'habitude de voir du padel champagne avec le Xav. Hein, une grosse pensée pour le frérot. Je dis ça, on dirait que le mec est à l'hosto. Non, tout va bien. Tout va bien pour le Xav, mais il va quand même y avoir de très beaux coups dans cette vidéo. Même si là, clairement, c'est pas moi qui l'ai produit. Petit spoiler, c'est pas que moi qui vais produire les coups. Hein. Il y a un certain Manuel Vives qui va être plutôt solide. On a changé de côté. Manuel qui a repris le côté gauche. Moi, je suis à droite. On s'est dit en fait que voilà, ça pouvait nous permettre d'être peut-être un peu plus à l'aise. Parce que ce premier set, il est perdu et ça fait peur en fait. Premier set perdu, on se retrouve en P100. Man qui va peut-être pas passer les poules avec la pression de la vidéo en plus. C'est pas un truc qui lui arrive souvent. Derrière là, on a vu, hein, je mets un petit filet. Mais honnêtement, les adversaires auraient été très très bons. On a réussi à accrocher un set partout. Ensuite, on allait chercher ça au super tie break, dans un super tie break hyper tendu, et là Man, je pouvais lui laisser, sauf que voilà, je voulais me mettre aussi en confiance, prendre une balle, essayer, tenter des choses. Ça a fini dans la vitre, hein, et ça a fini là pour comme je vous disais, sur un match super tie break, service des adversaires. On trouve une bonne longueur là du côté de Man, ça c'est les coups qui font du bien. Man qui la récupère, qui me dit de me baisser, pour l'instant j'exécute, je suis à la volée ici, la première qui est bien, et la deuxième, on entend le cri de rage. C'est fini, c'est perdu ce match. Premier match, première défaite, ça fait mal. Je suis sur... Là, c'est vraiment le premier set, c'est moi, et le super tie break, c'est moi aussi. Non. Putain, il joue vachement bien. Le mec de droite servait vachement bien. Ouais, en fait, du coup, on a décalé à droite, j'en ai pas renvoyé une. Et en vrai, non, en fait, c'est vachement intéressant, tu vois. C'est genre, comment ça va être. Alors, on vient pas que pour win. Et non, en fait, on perd trop de points au début. On perd beaucoup trop de points au début et tout, quoi. Mais et à la fin, putain, là, j'ai juste à finir. C'est la main fragile, la main faible. C'est la vie. Deuxième match de poule est déjà plus droit à l'erreur, même si je vous l'ai dit juste avant, les premiers se qualifieront et c'est les deux meilleurs seconds qui passeront en quart de finale. Donc voilà, il faut essayer de gagner tous ces matchs maintenant, les deux derniers, avec un score le plus fleuve possible. On était sur des adversaires avec un niveau un peu plus bas. On a l'impression que Man n'en a rien à foutre, hein, là, tout simplement. Mais non, voilà, ça fait des beaux gestes. On a senti que voilà, sur ce match-là, c'est vrai qu'on a vu, généralement, hein, si vous jouez au paddle ou autre, vous le voyez, dès l'échauffement à peu près, tu peux situer à peu près le niveau des adversaires. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se relâcher, hein, parce que parfois, tu peux te dire, ok, ça peut être tranquille, et derrière, tu vas faire des fautes un peu bête, tu vas pas te donner à 100% dans le match. Mais c'est vrai qu'il y en a rien à foutre là, le Man à gauche, hein. Alors que moi j'essaye, oh là là, putain, ça partait directement dans la vitre, heureusement ça a été repris. Après voilà, ça ramène quand même des balles, on essaie d'attaquer un peu plus à gauche, ça revient cette balle, hein. C'est voilà, c'est de la défense, c'est pas le truc potentiellement le plus propre. Moi j'ai même pas cru à ce lob, putain, le rythme entre le premier match et le deuxième, c'est un peu le jour et la nuit, et là c'est sorti, c'est un point pour nous. Mais c'est vrai que ça a été, voilà, comme je vous le disais, dans l'ensemble, un match plutôt tranquille.
On a essayé de jouer un peu à gauche, un peu à droite. On a un peu alterné. Man qui a à nouveau surpris ici que ça passe. Regardez, voilà, c'est fluide. Oh, ça, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment les coups paddle qui font du bien. Il est tranquille. Qu'est-ce qu'il va nous faire une petite... Il est surpris de A à Z. Là, je vous fais une démonstration de ce qu'il faut potentiellement pas faire. Et moi, j'ai le temps avec la vitre. Hein, je la regarde, cette vitre. J'ai le temps de la reprendre sans trop de problèmes. Si je dis pas de bêtises, hein, le score sur ce match a été un 4-1, 4-1 ou 4-1, 4-2. D'où le fait voilà, qu'on soit quand même assez tranquille. J'ai eu envie voilà, aussi encore une fois de reprendre des balles parce que certes, je joue à droite, une position que j'ai pas l'habitude et le changement de position peut faire mal. J'ai voulu me mettre dedans, prendre de la confiance et ne pas avoir peur aussi de toucher des balles parce que c'est long un tournoi de paddle et si t'es pas en confiance, ça va être complexe. Le point... Oh, regardez un peu la vitesse tout de suite qui est mise de la part de Man. Dès qu'il met un peu les jambes, c'est autre chose. Voilà, petite balle dans les pieds, ça c'est pour moi. Peut-être un smash, on essaye de fixer le joueur de droite. On va jouer un peu au centre derrière. Voilà, et là ça allume encore une fois sur le joueur. Il y a quelque chose avec ce Man. Pas de commentaire sur ce PL actif. Ouais, comment il va mon poulet, regarde moi. C'est une victoire, moi. J'ai... Ouais, c'est une victoire. Ah ouais, ok. Non, non, mais là, on a testé des trucs, là, mais... Ouais, on a testé parce que... De toute façon, là, tout est pour se régler pour les matchs importants. En fait, là, déjà, moi, j'essaie de descendre là, en pression parce que vraiment, le premier match, ça m'a rendu zinzin. J'ai fait une horreur. Franchement, j'ai pendu une bouche sur le premier match. Archi crispé, terrible, c'est mal parti directement, mené 1-7, on se retrouve au super tie break. Bref, il s'est passé ce qui s'est passé, on a perdu. Et là, du coup, j'essaie de redescendre en pression un peu. Il nous faut encore deux victoires pour se qualifier. On en a pris une, il nous en manque plus qu'une. Ouais, il nous en faut deux en tout. On a gagné le deuxième. Et en gros, là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en attaque, je reste à gauche. Et là, ouais, sur ce match, on a essayé les deux. On a fait une fois en me mettant à gauche, au retour. Et une fois un set où c'était toi qui étais à gauche au retour. Ouais, non, mais c'est mieux, mais c'est vrai que c'est tout ce truc de moi quand je dois attaquer, qu'est-ce que je fais. Parce que ouais. Je suis partout au-dessus de la tête, rien en bandé 1. Ouais. Et à vouloir taper fort, quoi. Je pense qu'on est plus gagnant si je me mets à gauche, que ce soit au retour ou en attaque. Je fais ça tout le temps. Ouais. On va essayer, puis voilà, on va se qualifier. Et comme ça, on va effacer ce premier match moisi de nos mémoires. Ouais. Voilà. C'est pour le premier match, j'ai pas fait de débrief, c'est vraiment entièrement ma faute. Premier set, entièrement ma faute. Super tie break, entièrement ma faute. Ça dit quoi là-bas quand même? Les premiers de la poule, ils sont pas nuls. Hein. Les premiers de la poule, c'est les sites 1. Ouais, c'est les sites 1. C'est qu'on joue après là? Ouais, bah c'est pour ça. Ouais, non, c'est vraiment pas gagné du tout. Hein. Mais je pense qu'ils déroulent. Les parents, ils ont l'air de dérouler là, les notes. La raquette tremble déjà. Ouais, j'espère voir. Je te vais aller aux toilettes, les gars. Allez, troisième match de poule et celui-là, faut le gagner comme on l'a vu juste avant. Ce sont les seeds 1 en face. Et nous, on a déjà une défaite à notre compteur, donc on doit gagner. On doit gagner avec un gros score. Et vous allez voir que honnêtement, en face, il y a du gros toucher. Ça rigole pas du tout. On sent que ça a sûrement joué au tennis. Ça a pas mal de padel derrière, mais ils étaient plutôt impressionnants. Peut-être que le côté physique est pas le plus impressionnant. Je dis ça alors que je viens de me bouffer la vitre dans les dents et j'ai pas réussi à remettre la balle. Mais honnêtement, ils nous ont vraiment surpris. C'était chaud. Vous allez le voir. Moi, je commence un peu à m'habituer petit à petit à cette position à droite, hein, parce que si vous jouez pas au padel, vous pouvez peut-être penser que c'est un peu con, mais ça change beaucoup voilà, dans le positionnement, dans le côté tactique, dans les balles que tu vas prendre, etc. Ça change énormément de choses. Et regardez, encore une fois, celle-là, elle est déposée, petite barada, donc balle qui redescend après la vitre. Que voilà, soit tu vas essayer de taper fort, soit tu vas mettre en lob. La Man qui vient juste la déposer, ça, c'est très beau. Le lob, là, qui peut-être un peu court, un smash, mais qui est renvoyé plutôt tranquille de la part de Man. Voilà, Man, on le voyait, il collait le filet là-dessus, sur cette barada adverse. Moi, je suis un peu plus loin et forcément, je suis un peu plus en réflexe. Le but, c'est de mettre la raquette en opposition et que ça touche le terrain plus que la vitre. Match plutôt serré sur ce premier set où on se fait quand même pas mal accrocher. Voilà, une bonne défense ici. Je suis peut-être un peu avancé là avec le double vitre. Pardon, on réussit à la remettre. Man aussi qui est assez tranquille. C'est peut-être un peu court. Lui, il va allumer. Il allume sur moi. Petit coup de réflexe ici. Ça va rejouer sur Man dans le coin. Man qui va peut-être réussir à trouver un lob qui peut peut-être être court. Ça revient encore une fois sur le côté dans la diagonale. Ça part sur un petit jeu ici. Volé. On monte. Man aussi qui essaye de coller le filet. Celle-là, je la prends en réflexe. Ça ouvre un peu le côté et je viens la déposer. Il fait plaisir ce point. Un point bien construit. Un point où on a tenu. Ça fait du bien. Allez, ça continue. Ça n'a pas lâché, mais c'est vrai que dans ce match, on a senti peut-être qu'il y avait un petit déclic, parce que le premier match difficile, où forcément la défaite, le deuxième où on était plutôt tranquille, et ce troisième match, on a senti qu'il y avait quand même voilà, beaucoup de répondants, qu'il fallait jouer, mais on a réussi à les tenir, les points, parce qu'encore une fois, quand il y a Man qui juste déroule,
Ça se passe, sauf que les joueurs vont quand même beaucoup jouer sur moi et regarder comment c'est intelligent, c'est coupé et c'est gagné. Man est trop fort, hein. ça se fait PL là. Mais lui il a une réponse, moi quand t'as la fait. Bon, ça fait crédible ou pas? Moi quand je joue, on se dit vraiment je suis une merde. Mais tu sais que ce que j'ai entendu, vite fait, c'était en mode pas si mal quoi. Ouais. Il y a eu un 2 points où ça sera le point cut. Oh putain. Non bah écoute, il y a rien à dire. Oh. Non bah écoute, en fait c'est dur de. Moi je suis trop dans l'envers, tu sais, je vois 8 mecs qui se tapent une barre. Moi t'en avais 3 ça. J'ai envie d'hurler. Du coup, le point d'après, je fais une mandale histoire de crédible, quoi. Mais alors que ça se trouve, juste, ils... Ouais, ils sont impressionnés. Ils font leur vie, ça se trouve, hein, juste, ils rigolent pour autre chose. Je travaille de fuette. Là, on est sorti des poules, on est en quart de finale. J'avais essayé de me mettre des pressions, mais on reste solide. On est en place. Oh là là, les quarts de finale. Surtout que voilà, comme je vous le disais, ça chambrait un peu parce que Man connaît les deux joueurs en face. Un joueur de gauche qui, comme vous pouvez le voir là, qui rigole pas trop. Man qui avait bien anticipé hein, d'entrée de jeu ce petit smash. On est toujours sur les mêmes règles, hein, c'est-à-dire 2-7 gagnants en 4 jeux. Si jamais il y a un partout, ça finit au super tie-break. Et ouais, par rapport aux adversaires, un joueur de gauche qui est un ancien très bon tennisman, joueur de droite peut-être un peu moins bon techniquement, etc. Mais qui a quand même beaucoup de joué au padel, comme vous pouvez voir là sur le gros smash. Heureusement, le lob qui passe, même si c'est un peu chanceux. Regardez là, le man qui va envoyer derrière un bon cachou, il réussit à la toucher. Je pensais que ça sortait, c'était vraiment pas loin de sortir cette balle. Je la récupère un peu en bout de course et derrière, ça offre un smash un peu cadeau. C'est vraiment ce moment où tu comprends qu'en fait, hein, là, les lobes, soit il est vraiment... Oh là là, pardon, excusez-moi, je suis en train de vous raconter ma vie et là, on voit une balle, la balle mourante comme ça, c'est exactement ce que tu dois faire en fait quand tu joues au paddle, mais c'est pas forcément simple. Et je disais, soit ton lob il est très bon, soit en fait c'est souvent des punitions. Voilà, au moins essayer de les faire reculer un peu, essayer de regagner le filet. Ça joue beaucoup sur moi, même si les mecs ont été très cool. Ils étaient très très sympas parce qu'on a bouffé avec eux, etc. Bah, déjà sympa de nous faire ce cadeau, hein. Merci encore frérot. Et aussi, typiquement ce match là, ils ont pas énormément joué sur moi. Alors que voilà, t'as un pro en face de toi et un mec, alors pas débutant, mais qui est pas dingo. Bon, bah clairement, je vais pas vous mytho, moi je joue que sur le mec, pas dingo. Sinon, ça finit exactement comme ça sur des grosses matchs. On gagne, quart de finale en 2-7. C'était bien, toujours Man monstrueux. Un peu orienté, histoire de progresser. Je sens que ça progresse. Hein. Rendez-vous en demi-finale maintenant. C'est parti. Mon promis, c'est que pour une fois. Hein. L'idée n'est pas de se faire porter en boucle. C'était de voir un peu de progresser. Ah, déjà, putain, il joue tellement bien la différence. Déjà, avec certains adversaires. Tu captes que t'es en mode ah ouais, ça joue si bien que ça. Et du coup ça me fait progresser sur le fait d'être aussi un peu moins en stress par moment. Pas mal de responsabilités pour que ça soit aussi à moi de faire le taf. Même si c'est quand même beaucoup lui qui le fait, mais c'est bien sympa cette expérience. Ça régale. Ah oui, ça régale très bien. Surtout quand on est en demi-finale et qu'on est plus qu'un petit match de passer en grande finale. De ce P100 et on va jouer deux adversaires dont un que vous connaissez peut-être puisque en orange et bleu ciel là j'ai peut-être un peu daltonien d'ailleurs au passage, mais c'est tout simplement Guillaume Chen qui est médaillé d'or au JO de Tokyo en judo par équipe mixte. Voilà, donc tout simplement un monstre hein, qui on peut le voir au gabarit en termes de physique, il est assez impressionnant. Pas forcément celui qui a le plus les gestes paddle, hein, comme on va pouvoir voir voilà, sur cette petite volée, mais il est là, au filet, il bouge pas, il est impressionnant. Quelques petites erreurs, et ça, on va essayer d'en profiter durant cette demi-finale. Mais ouais, ça a été quand même quelque chose. On voit tout simplement ce que c'est un athlète, quoi, un sportif de haut niveau. Ça rigole pas sur beaucoup d'échanges, hein, parce que là, je vous ai fait une petite version condensée. Vous me direz ce que vous en pensez, d'ailleurs, de ce petit côté accéléré jusqu'au peut-être match intéressant. Là c'était avec Man, donc voilà, il y a qualification en finale. Je vous spoil ces quelques points, et d'ailleurs je vais vous le ramener en finale pour commenter avec moi, mais je trouvais ça cool de vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé jusqu'au match, jusqu'à la grande finale qui va être juste après. Et entre temps on va apprécier, regardez un peu là, ces bons petits coups droits. Moi j'essaye de repousser, de faire reculer Guillaume, et ça paye pour nous, et ça nous permet de gagner des bons points petit à petit. On a eu le temps de bien chauffer quand même, hein, parce que c'est vrai que c'est le cinquième match désormais de la journée. C'est des matchs en 2-7, 2-4, donc forcément, entre-temps, on a eu le temps de manger, voilà, tout ce qui est nutritif, ça c'est important. Et surtout, honnêtement, c'était une très très belle journée, mais c'est pas encore fait, puisque pour que la journée soit belle, il faut qu'on gagne en finale, il faut aller au bout, il faut déjà finir cette demi-finale. Et pour ça, quoi de mieux qu'un smash supersonique de Man qui nous qualifie en grande finale. Et là, on va pouvoir prendre un peu plus le temps pour la finale. Ça y est, on y est enfin.
Honnêtement, dans une grosse journée, c'est vrai que moi j'ai l'habitude d'être éliminé dès les phases de poule. Donc c'est étonnant déjà de rester plus de 3 matchs dans un tournoi. Et là, on tombe donc du coup sur un joueur, donc le joueur en bleu qui a l'habitude de pas mal jouer au paddle. Ouais. Et le joueur de gauche qui était quand même très dangereux, ancien 0 au tennis tout court. Moins de 6, je crois, moins de 6 au tennis. Ouais. Du coup, voilà un très bon niveau français. Très beau maillot, on peut le citer déjà. Bref, Barça a floqué la remontada dans le dos. Il vient clairement pour détruire. Et donc du coup là on a décidé de faire donc en 2-7 de 6, 2-7 oui. Gagnant de 6. Si jamais il y a un 7 partout, c'est super tie break. Et écoutez, on est parti pour cette finale qu'on va vous commenter. On a un peu plus de temps, c'était le but aussi, de se dire qu'on allait mettre justement que la finale. Et au début, encore une fois, je sais pas, alors, il y a eu un peu de temps entre la vidéo, hein, c'était à peu près mi-décembre et maintenant, mais j'ai l'impression. Quand je revois les images, d'avoir peut-être progressé entre temps, je l'espère en tout cas. Je l'espère. Du coup, il faut replacer que tu joues pas de ton côté. C'est vrai, c'est vrai. Encore une fois, mais au niveau des vides, c'est super dur. Quand elle vient au fond, ok, mais quand ça touche la vitre latérale, c'est impossible. Alors. Allez, on est mené 1-0 dans ce premier set. Il y a eu le service de, vous le voyez là, le flocage de la remontada. Ouais. Ça va être le cas. J'adorais quand tu me disais les petits ouais. Et là, ça sort, mais. Prendre les responsabilités. Les petits ouais, baisse-toi. C'était une expérience. Attends. C'était vraiment. Vraiment un petit régal. Allez, 15-30. Et là, on sent que ça trahit. Il y a les petits cris aussi. Ah ouais, mais toi, je t'ai senti avec l'envie de gagner. En mission. Bah, le tournoi, en même temps, il a commencé, c'est sur une défaite. Ouais. Tu t'es vu vraiment humilié, quoi. Ouais, je me suis dit, on sort pas de poule. Vraiment, c'est fin de carrière derrière. Là, j'arrête tout. On se qualifie in extremis. Et puis là, on commence à bien jouer. On commence à se libérer. Et toi, tu faisais de mieux en mieux, franchement. Oh, t'as vu la qualité. Il nous a envoyé un truc. En même temps, la qualité de l'homme était présente. Et deuxième service. On est un partout. Franchement, on se sentait pas favori hein, sur le match. Non, là tu vois ça, c'est des bons lobes ou pas? Oh là là, à droite, t'as vu comment il essaye de couper? Bien coupé, bravo. Mais ouais, le lobe, c'est bon, il fallait de toute façon que tu ailles chercher loin pour après rentrer, pour reprendre le filet petit à petit. Ouais, à gauche, il est capable de faire mal, de toute façon, ouais. On le dit, hein, voilà, prof de tennis, moins de 6. On le voit à sa position, hein, il est vachement au milieu, il essaye de prendre de la place sur le terrain. Il est là, le lobe, hop, baisse-toi, j'adore. Hop, ça allume au milieu, je la récupère pas, je me fais une cheville, hop, ça allume de tous les côtés. Là, c'est dur parce que c'est aussi un peu ma faute. J'essaie de faire une différence, j'y arrive pas. Au final, c'est moi aussi qui plombe l'équipe. Bon, après, c'est vrai qu'à part me baisser, j'ai pas fait grand chose du poids. Non, mais t'as fait un peu un bel aller-retour. Failli laisser une cheville, hein, d'ailleurs. Mais c'est ta mobilité qui t'a sauvé. 30-0. Ouf, pas mal ce petit retour. T'as vu, il venait souvent au milieu, t'essayais de le piéger long de ligne. Tenté un lob assez haut, mets une bandera, que tu bloques bien, je dois être devant, là, je dois être à la volée, non ? Ah, c'est dur. Les vitres. Ouais, les vitres et le fait de ne pas faire assez de petits pas. Après, c'est vrai que là, dans le contexte, on a déjà joué pendant 5 heures, ouais. À peu près, donc c'est vrai qu'il y a quand même un peu de fatigue. On ne l'a pas vu non plus sur les points d'avant, où j'ai pas été bon non plus. Mais il y a quand même, quelque chose. Oh, le lob, il est magistral, le lob. Allez, faut... On s'était dit que ça pouvait passer par là. Hein. Ouais. Il y a des gros lobes pour essayer, parce qu'il frappe vraiment bien le joueur de gauche, pour l'empêcher de taper, et peut-être on peut y arriver. Et Trenta, attention, moment important, tu vas nous tenter quelque chose. Moi, je pense que je vais envoyer un missile. La marmite, voilà, un bon missile. Oh, non, il est pas mal, le lob. Le lob est vraiment bon. Tu prends le filet en deux temps. Tactiquement, c'est parfait. Et là, toi. Bravo. Là, j'ai envie de te checker. Là, j'ai envie de te checker ça. Et là, balle de break. Et on s'est checké aussi. Et là, c'est balle de break. 30-40. Ouais, parce qu'on est aussi en Punto de Oro. Hein, donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avantage. Donc, voilà. On monte. On est devant. Voilà, ça loupe. Ça loupe. 40-40 le Punto de Oro. Donc, du coup, en Punto de Oro, quand il n'y a pas d'avantage, vous choisissez où vous voulez recevoir, soit à droite, soit à gauche. Sans grande surprise, c'est à gauche. Mais je crois que dans le tournoi, il y en a quelques-uns où j'ai pris mes responsabilités. Oui. Je me suis dit, je veux que ça soit sur moi parce que c'est aussi mentalement, ça m'entraîne. Et c'est le but du tournoi, encore exactement. Une fois, honnêtement, ouais. les points, etc. C'est pas vraiment ce qu'on vise. Le but, c'est de progresser. Et on repart sur la même stratégie, gros lob. Wop. Il rate un peu. Mais t'es devant, et tu termines ça. Et tu termines. Bien joué. Bien joué. J'espère que je te sers un peu à boire là parce que honnêtement, tu nous fais un gros jeu. 2-3 citrons. Et on se retrouve. Le break a été fait. 2-1. 2-1 pour Man et moi, et encore une fois, oh la vache. Ah ouais, là, on a failli avoir... attention, ça peut faire mal, ça. On se retrouve avec le filet au milieu du bide. Et derrière, c'est compliqué, 15-0. Et c'est vrai que quand tu break au padel, c'est comme le tennis, hein, t'es content. Ils sont pas si mal, ces petits services. Oh, je m'as pas dit de me baisser, mais... Et là, t'as vu, je fais pas l'erreur de la toucher. Et ça, c'est un de mes meilleurs moves. Je me suis mis sur le côté. C'est très fort, parce que moi, je la touche. Allez, 30-15. La petite balle là qu'il force à avancer, là, il essaye de la mettre. Oh, il a pris la gueule. Oh là, il me casse la gueule, heureusement t'as eu un bon réflexe. Je suis dessus à gauche. Là, tu reviens je la remets, oh, mais je la remets mollement, mais bon, finalement il craque. Il pense que c'est trop facile, ça c'est ma spéciale. Mon lob est tellement nul que le gars se dit je vais l'allumer. Et derrière il fait le mauvais geste, ça finit dans la vitre. 40-15.
C'est bon ça. Mais là, entre temps, j'ai réamélioré un peu mes services. C'est un peu mieux. Il essaye de me faire un passing. Ok, la volée est plutôt solide. Ok, revers aussi. Il faut que je cherche plus de longueur en fait. Non. Ouais, et ça, non, sort. Ça sort beaucoup de fautes. Il est dangereux. Il est dangereux le Barcelonais, mais au final, pas mal de fautes directes et on en profite. 3-1. On s'en sort très bien. 3-1, on a réussi à faire le break. On l'a gardé. Maintenant, il va falloir le tenir. Et d'entrée de jeu. Retour. Ouais, ou retour dans les pieds, c'est exactement ce qui servait bien lui. Hein. C'est vrai que. Il a envoyé du lourd, regardez, il va sûrement à la vitre. Ouais. Ça va vite. Toi, t'arrives souvent aider de la vitre. Ouais, il m'allume là-dessus, il m'a touché. Il m'a touché le pied. Et puis moi, bah, grosse victime que je suis, je le remercie quoi. Oh mon gars. Super. Ouais, la moins plus fin. J'ai un hématome. Après, c'est le jeu, je paddle. Oui, non, c'est normal. Service, encore un service solide. Là, j'essaye, je me dis, je vais peut-être coller pour essayer d'être dangereux. Oh là, il sortait 20 000 fois, ça peut-être. Non, je pense pas. Hein. Touche là. Il la prend, touche là. Ça, c'est bon, c'est encore dedans. Ils sont à la volée. Allez, il nous faut un bon lob. Le lob, il est pas mal. Il nous a vu, c'est un beau point. Oh là là là. C'est joli, mais malgré tout. Je te dis, bon point. T'as bien fait les choses, tactiquement, c'était parfait. 3-2. Pour nous. Ça va nous servir, donc on a toujours quand même l'avance. Man est parti buisser, écoute, ça se passe, hein. Première fois je fais un match en 2, en 6. C'est un peu les émotions, quoi. Non, en vrai, faut juste que j'allonge un peu les lobes et je fais un peu plus dedans. L'autre, il smash, il est zéro au tennis, donc ça joue très très bien. Et non, il y a un monde, hein. Il y a un monde où on va le chercher, donc on y croit. Et 3-2, 0-15, on est un peu inquiété là. Hein. Ouais. C'est que le premier point, mais c'est vrai qu'ils se mettent de plus en plus en jambes. On sent que c'est tendu quand même. On ne tient pas grand-chose. Allez, encore, t'allumes encore. Bien. Oui, j'essaye de varier. Premier point qu'on voit de la vidéo. N'hésitez pas, hein, ça bombarde dans les likes, les amis. J'ai gagné un point dans les commentaires. Peut-être qu'il y a une progression. Elle est là, 15A. Toi. Ouais. Pardon. Non, tu t'excuses pas, elle est parfaite. J'aurais jamais fait mieux, c'est sûr et certain. J'allais trop loin. J'ai essayé de viser dans les pieds. Un petit pardon parce que tu me dis que tu l'as, mais je me sens pas mal. Deux points de suite. Gagner tout seul. Putain, et tu nous sauves, hein. 0-15-35. Gros service. Oh là, le service est majestueux, ce service. Hein. Ce service. Est-ce que t'adaptes? Non, là, t'es genre. Non, là, je sers comme si je serais comme d'autres pros. Oh oui. Oh oui. 45, 2 balles de 4-2. Oh là, ça nous tente n'importe quoi. Et 4-2, on y va. À deux jeux du set. Oh, j'aime bien ces retours, j'aimerais bien pouvoir les faire en même temps. C'est pour ça que t'es pro aussi. Oh, il nous met une merde en face. T'as vu son point faible. 45. Oh la vache. Ah ouais, là, pour le coup, on se sentait un peu mieux. Mais là, ils ont pas rigolé. Ils sont pas en finale de P100 pour rien. Et là, on... Mais ça nous montre un peu la réalité. Il faut pouvoir réagir. Enfin, je monte pas là-dessus, je me dis que ça va peut-être être un peu chaud et forcément il joue beaucoup sur moi. Allez, faut trouver un lob là qui nous permet de récupérer le filet, c'est le cas. Ouais, tranquille. Ah, là c'est toi qui m'as envoyé au charbon là. Ouais, reviens à ta position. Ok. Remonte. On switch. Ah là, je sais pas où je vais là, tu me dis remonte parce que oh, c'est là que je dois y être. La défense. Allez. Oh, tu... Allez là, celle-là. Pardon. Ça c'est un point, on serre la main, on se check pas. Oh, là, et pourquoi je m'excuse tout le temps, je passe ma vie à m'excuser. Défense avec la vitre monstrueuse. Tu lobes bien et après tu viens chercher encore. Juste à un moment, je suis au milieu, je sais pas trop ce que je fais. On a fait un truc bizarre. Je suis passé d'abord derrière ton dos, après t'as voulu reprendre ta position. Pour se mettre bien derrière, ça me tente le passing. Ça fait 2-3 fois qu'il te la met un peu tout droit. Souvent, j'ouvre un peu trop sur ce genre de choses. Vite que t'ailles protéger. Allez, un bon service. Ça nous offrirait le 5-3. Oh oui. Au milieu. Termine-nous ça. Ça sort. Oh, elle est bonne. Sort pas. Tente un lob. Ah, le lob, il est joli par contre. Ouah, vas-y. Ah ouais, là, il a... Non, mais... Tu le forces à faire une connerie. En lob, là, je suis content. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, j'ai senti que le tournoi, et c'était le but, hein, encore une fois, c'était de me faire progresser en défense, de me permettre d'être un peu plus serein, d'être dans des situations où je suis parfois moins. Et ça peut être le moment d'aller chercher ce premier set. Hein. C'est 2-7 gagnants, 2-7 de 6. Bon lob. Et ils commencent à se précipiter un peu. Ils surjouent. Ils sont menés, ils essayent de remonter. Il y a des petites fautes. C'est vraiment l'impression qu'on a eu, beaucoup de surjeux de la part de Romontada et on le voit aussi. Hein. C'est ça se voit à son attitude. Ah, il est saoulé. Déjà, il joue en jogging, mais j'aime pas les gens qui jouent en jogging. Oh là là, oui, Superman. L'ange s'est envolé. Il est là. Putain, t'es vif, hein. C'est ta petite taille qui te permet ça. Voilà, faut bien que je fasse quelque chose. Hein. il se faufile. Attends, je vais baisser ce micro, hein. Peut-être que de la vidéo, vous n'aurez pas vu Man.
Le micro remonte. Ouais. On est à 0,30, on est pas loin du tout. Oh, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Et on a l'impression qu'il laisse un peu tomber là en face. Hein. Les stockades finales, 3 balles de match, de 7. Encore. Oh là 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 là. Ça prend l'enlève. 7 à 0 pour la team, encore 1. Et ça sera la victoire en paissant. On va se faire remporter. Là, on est agréablement surpris. Hein. Ouais, on est. On joue bien, un PA qui joue très bien, moi je me sens bien. On a fait deux beaux breaks. 6-3. Mais zéro avec cette confiance, vraiment, très très dur. On tient un moment, mais... Ça va être très très dur. Et bon, on était heureux, hein, ça se voit pas trop, mais on était contents quand même. Allez, ouais. Man qui sert dès le début. Oh là là, cette Pandera Vibora, on s'est pas trop sauté. Elle est magnifique. Hein. Ouais. Non, la deuxième. Toi, vas-y. Allez. Oui. Oh. Fais gaffe. Encore, ça revient. Ouais. Ça essaye de me lober, mais okay, c'est pour toi. Tu bien là. En bas. Ouais, ouais. Hop là, je la prends pas bien, super. Hop, je vais encore la laisser. Oh oui. Oh, croisé. Et voilà. Eh, beau travail d'équipe. Finition. Beau travail d'équipe. On fait un peu tous ensemble. On fait craquer les adversaires. Le retour est très bon là. Ouf. Et là, généralement, c'est le début de la fin pour les adversaires. Ça commence à se mettre des balles dessus. Ça se parle un peu mal. 1-0. Dans le deuxième set, notre jeu de service est remporté. Ça serait sympa de vite breaker pour se mettre à l'abri. Il peut y avoir un petit smash là prochainement. 1-0. Oh, toi, non, non, non. Non, 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 le con, on la touche pas. Non, 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 te jette pas. C'était la même personne. Mais tu sais que parfois, je réacte des trucs d'il y a 5 ans, j'ai les mêmes réactions. Ouais. C'est fou, quoi. C'est pas changé. Comme si t'étais le même mec. Ouais, c'est dingue. Ouais, on se retrouve un partout. 0-15, eh, toujours il tente hein, de... Ouais, c'est pas mal en ligne. Et tu te bats, pour qu'on garde le filet. Voilà. Elle remonte un peu la tienne, ta balle là qui remonte un peu dans la vitre et du coup on se fait allumer derrière. Ça, ce matin il y a eu un petit entraînement, je vous le dis, on a travaillé ça. Pour tout vous dire quoi, parce que ici c'est nos filtres, hein. C'est vraiment 100% authenticité, on ne se cache rien. Cette erreur n'existe plus. Ouais, le lob est très bon là en face, je tente d'en remettre un, il y a une belle hauteur. Et ouais, je réussis quand même à l'envoyer direct. Je maîtrise bien. Allez, 30-40. Encore une à sauver. Oh, le service est pas mal. Oh, tu la prends. Oh, c'est ma faute un peu. C'est pas grave, c'est pas grave aussi. T'as le droit de pas avoir confiance en moi. Oh là là, t'as le droit de me chier à la gueule, ça nous amène à une défaite. C'est con, c'est... Non, par contre, monstrueux. On vient de se faire breaker. Je perds mon service, donc 2-1 pour eux. Écoute, va falloir débreaker, revenir. On n'a pas l'info. Enfin, si, on a le choix, mais... On peut pas aller au troisième set, en vrai on est bien. Et là on a été breaké, ce qu'on ne voulait surtout pas. On se retrouve à 2-1 pour les adversaires. Il va falloir débreaker maintenant. Allez boum. C'est pas mal, j'ai voulu varier parce que c'est vrai qu'il y a que des lobes. Toi, tranquille. Non, là les lobes c'est là, plutôt... Là regarde avec la vitre, c'est de mieux en mieux. Dommage. Ah ça touche bon, mais... Par contre, tu commences à prendre... Les défenses, ce tournoi m'a permis de comprendre les défenses vite. J'ai eu tellement de balles sur moi, etc. que ça m'a fait des gammes. Je commence à comprendre un peu comment te placer, le plan de frappe devant, etc. Et depuis, je le maîtrise bien. 15-0. 30-0. Toujours ce lob. Okay, et en fait, il y a moins d'agressivité de la part du joueur avec le maillot du Barça. Bah ouais, parce que tu le repousses bien. Mais il veut pas finir les points là où il faisait beaucoup de fautes et là, c'est dommage. Et je trouve que c'est ce qui a changé entre le 7-1 et le 2. Le 1, il voulait à tout prix mettre des winners, à tout prix faire la diff. Et du coup, on a eu beaucoup de fautes directes, on en a profité. Là, il est juste en mode, ok, à l'usure. Et moi, j'ai ressenti ça à un moment de acculer, à essayer de renvoyer des balles. Et en fait, les mecs faisaient juste pas la faute. Et c'est ça aussi le paddle. Non, c'est vrai, ils se sont dit, ah, putain, ok, on force un peu trop. On va remettre sur PA, on prend le temps jusqu'à ce qu'il craque, etc. Nous, on devait essayer de contrer tout ça. Oh là là, tu l'as piégé. Oh oui. Oh, tu me finis ça. Oh, la défense est magistrale. Tranquille, prends. La défense est magistrale, ça joue sur moi, j'ai été un peu surpris. En plus, latérale, tu défends bien. Oh, elle a envolé. Non, je craque. Ouais. On sent que physiquement, là, je commence à être un peu dans le dur et ça fait 3-1 pour eux dans le deuxième set. Allez, 1-3. Petit coup au moral là quand même, mais oui, j'adore. Interception. Oui, monsieur. Et c'est toi qui me la donnes, c'est toi qui me donnes cette interception. C'est grâce à ta balle. Ouais, mais là c'est bien, on a besoin de varier. Parce qu'on se retrouve dans un scénario où petit à petit on se fait endormir, les mecs font moins de fautes, ils continuent à leur plan de pas jouer sur toi, d'enchaîner sur moi. J'arrive à peu près à défendre, mais pas assez. Allez, faut revenir direct. Touche. Elle est belle celle-là. Ouais, baisse-toi. 2. Ok.
relobe. Tu fais jamais de faute, c'est fou quand même. Bah, je suis un peu obligé, hein. Là j'étais obligé, hein. Le niveau était fort en face. Ouais, mais c'est vrai, mais c'est vrai que le paddle, c'est tellement un truc où. C'est un sport de statistique un peu, hein. C'est celui qui fait le moins la faute qui gagne, hein, généralement. Oh la vache, le retour! Non! Petit cri. Quand je crie non, ça veut dire que je pense que la balle va sortir derrière. Heureusement. Je fais craquer toujours les boulots, mais parce que t'as vu aussi tes lobes, là, ce que t'as changé par rapport à avant, c'est que tu prends beaucoup de hauteur. Dans le club où on était, il y a quasi 13 mètres de haut. Ouais. Il t'a envoyé très haut et c'est dur à réceptionner. Pas Adèle Horizon pour ça, hein, c'est. Je suis en Brie. C'est aussi une ville à découvrir, mais c'est avant tout 13 mètres de hauteur et ça, ça régale. Allez, 45, là, on sent que t'en auras le cul, là. On sent que t'en auras le cul et ça recolle à 3-2. Allez, allez! Toujours les petits conseils techniques, on est. 3 balles de jeu, 3 balles de jeu pour être mené 4-2. Oh là, il va allumer. Ouais. Ça peut faire mal, je la prends comme je peux et ça fait 4-2. 4-2 et on gagne pas beaucoup de points là sur le. Ouais, là c'est de chaque jeu de service de leur côté, c'est une punition. C'était fait breaker mon service tout à l'heure, est-ce qu'on va pouvoir le défendre? On va le savoir tout de suite. Je mets tout, t'as dit je mets tout. Attention. Je mets tout. Non mais là j'essaye parce que je sens que je m'enlise là, je sens que, allez, tu vois, c'est le moment où généralement je me mets des claques. Là, on est mené 2-4, allez, on veut un bon service. Allez, d'entrée, ouais. Ça, c'est bien. Oh, ah, je mets tout. Dommage. Mais déjà, au moins, ouais. Je me libère. Franchement, c'est juste la zone qui était pas bonne, mais t'avais raison d'envoyer. En tout cas, tu rigoles beaucoup, c'est le plus important. Le plaisir dans la défaite, c'est ce qu'on a appris ces derniers mois au paddle. Hop, là, direct une vitre. Voilà, que du bonheur. Hop, qu'est-ce qu'on enchaîne? Double faute. Non, ça passe. Allez, on se fait allumer, comme d'hab. Là, je devrais être plus prêt parce que je sais qu'il fait ça. Ouais, baisse-toi. Ouais, c'est quand tu me dis j'ai, là, je suis content. Voilà, là, je suis content. Oh là là. Je pense qu'il a essayé en face, il s'est enfui de l'autre côté. Non. Il a dû vouloir faire un truc. Je me disais que t'étais au filet, que dans tous les cas, je fais gagnant. Ouais, l'ego du type, quoi, surdimensionné. Dans tous les cas, je fais gagnant. Ouais, c'est un malade, ce mec. Il y a un monde, on va le chercher. Il y a un monde, on va le chercher. Allez. 15-40. C'est pas fini. On peut encore le faire. Oh là là, oui, la grille. Allez, à toi de t'étendre. Ah, dommage. Et là, en fait, c'est là où on voit que t'es rôti parce que normalement, c'est là, toi, t'as un petit saut pour aller la chercher et là, t'as plus la force. En mode. De toute façon, là, on dirige tout droit vers un bon vieux super tie break. 5-2 là ? Ouais, 2 breaks. Essaye de voir, sers-toi de ce jeu pour essayer d'appliquer ce qu'on peut faire au super tie. Tant mieux si on débreak. Et on essaye de penser déjà à ce qu'on va faire au super tie. Super tie en 10. Ça peut aller super vite. Hein. Ouais. Ça reste, même s'il y a plus de points, ça reste quand même un peu de l'aléatoire. C'est celui qui fait le moins de conneries. On peut clairement y arriver. Et allez, 5-2, on est mené. Et c'est vrai qu'on voit que le mec est au bout de sa life. Hein. J'étais vraiment. On était dans le dur, là, franchement. À la fin, et je crois que je me souviens que je me dis, vas-y, ce jeu, on donne le max, mais on essaye aussi un peu de libérer après voir le super tie-break. T'as vu, on a commencé à en parler du super tie-break, que c'est en 10 points, que ça peut être un peu. C'est pour ça que là, tu vois, celle-là, par exemple, c'est de la merde, mais au moins, je suis content de la prendre, de faire de la merde. Je me dis, objectif super tie. 3 balles de 7, 3 balles de 7, le super tie-break, là, il semble inévitable. On s'est bien préparé déjà. Ah bah moi, j'ai. Ça fait 3-4 jours, on y pense déjà. Ah, j'ai appelé ma meuf, j'ai eu le temps de lui en parler, etc. C'est clair que là, on est. On est là pour ça. Moi, je sais où t'es. On est né pour ce super tie break. Ouais. Et limite, tu me parles. Et 4 balles de 7 en face. Allez. C'est vrai, là, vraiment. Je... Ah, le mec, il pensait qu'elle était faute, carrément. Ça te disrespecte. Non, je suis super tie. Allez, pas vous. Je suis rôti, hein, 7 partout. Super tie break, donc le premier à 10. En fait, ils ont bien capté, ils sont pas cons, les mecs. Sur comment jouer, man, touche peu de balles. Mais là, faut juste que je réussisse à me remettre dedans. Là, il te marave la gueule. Hein ? Il y a des moments, il te marave la gueule. Bah, je fais que défendre. Je suis en mode. Et en fait, les lobes sont de plus en plus courts, donc c'est à quel moment je vais craquer. Ils font peu de fautes, ils jouent bien. Hein. Allez, c'est maintenant. On laisse de côté ce deuxième set là. Tout se joue. Premier à 10 points. C'est ça, un super tie break. Si jamais vous connaissez pas, il faut s'accrocher pour tous les points. On a. Boum ! Là, t'es grand là. Et on joue la victoire en paissant là. On joue la victoire en paissant. Pour gagner comme premier paissant. Essayez d'intercepter. Oh, la petite balle. Oh. Je tente un lob en volée. Il passe. Encore pour moi. Qu'est-ce que je fais au champ que je panique là? C'est bien défendu en face. Je panique à commenter, donc à jouer, je te raconte pas. Monstrueux. Oh là là. Oh non, c'est vite ça. Non, c'est bon encore. T'as arrêté de jouer sur moi. Oh là là, et ouais. Attends, c'était fort ce que t'avais fait. C'était pas mal et je craque un peu. Vraiment bien défendu.
Allez, 4-2, on se retrouve. Oh là, le service. Ouais, c'est bien servi, il a fait une petite feinte aussi de, pour faire genre qu'il partait au milieu l'autre. 5-2, putain, ils prennent le large. C'est en 10, c'est en 10, c'est là. Là, c'est coup dur. Là, déjà, c'est pas fini. 5-2. Je sers. 5-2 en tie-break, il est dur parce que c'est le premier à 7. À 10, tu peux encore. T'as de la marge. Allez, bon. Oh là là. Oh, j'ai voulu en mettre, mais j'arrive pas à la faire sortir cette balle. Et là, je suis en train de reculer. C'est bon réflexe. Alors, on sait que je vais prendre une session, j'essaie de trouver un bon lob. Ça me renvoie. Allez, faut jouer sur le côté, faut reprendre le filet. Ça sort ça. Non. Ça sort pas. Oh, elle est bonne, elle doit rentrer de rien du tout. Oh, oh là là. Il y a un mur là. Oh, oh là là, ça revient, c'est pas fini, on prend le filet, allez. Allez, touche là. Bien. Oh non. Ça défend. Oh, le poids est fou. C'est le poids du match ici. Ouais. Tu l'as? Oh, oh non. L'image est terrible. Dommage, encore un gros point. C'était un très gros point. C'était monstrueux. Là, t'as fait des défenses quand même, là. Ah ouais, dans c'est le coin, bon, dommage, on voit rien du coup de cet angle-là. Vous avez vu que la balle est repartie à chaque fois. Juste, vous voyez que la balle revient, donc bon. Pas un montage, elle est repartie à chaque fois. On a créé le truc, quoi. C'est dur parce qu'on fait des bons points. Là, tu le joues vraiment bien, le super tie-break. On est à 2-6, c'est dur. Oh, le service est magistral. Allez, on prend. 6-3, 3-6. Souvent, j'ai du mal à trouver ce petit coup qui va nous permettre de me sortir du bouillon, quoi. Après, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont pas jouer sur toi aussi, et du coup, ils ont qu'une cible. Après, t'as réussi avec des bons lobes à reprendre le filet petit à petit, et après, c'est créer la différence. Oh, 6-3, encore une fois, là. Là, tu surprends. Elle fait plaisir, cette faute. Allez. Allez, la 4-8, c'est difficile. 4-8, là, il faut mettre le point pour revenir. On a plus le droit d'en perdre un, honnêtement. Ouais. En montant dans le micro, je suis un bœuf, quoi. Vos respirations, faut que. Allez. Oh oui, tu prends les responsabilités. Allez, voilà, fini. Et tu me la donnes. Tu me la donnes. Ça, c'est il a tenté, hein, on apprécie quand même. Là, ça jette. Et ouais, mais moi, je suis pas vanné, là. Moi, je suis pas un tueur, en fait, dans les matchs. Ouais, faut que je sois un peu obligé. Je suis là, je suis là, bien joué, belle tentative. Et désolé pour le point tout à l'heure. Et merci de m'avoir frappé dessus. C'est pas gérable d'être comme ça. C'est 10. Allez, on y est encore. On n'a plus le droit à l'erreur. 8-5. Allez, et j'essaie d'encourager. C'est pas le mec, il avait pas déjà servi juste avant? Ah bah voilà. Et ouais. Attends, non mais. Je me suis dit, est-ce qu'ils ont voulu nous douiller? Non, c'est bon. Allez. Il y a quand même une différence de service. C'est con parce que j'ai fait des petites fautes bêtes alors que tu fais un bon super tie break. Je peux faire un peu mieux. En retard. Ça sort? Oh. Attends, mais non, t'as pris de l'argent pour ce match. Qu'est-ce que tu nous fais? Les images me font mal. Hein. Elle a dû prendre une trajectoire un peu bizarre et je pensais pas qu'elle allait me revenir dessus là sur la grille. J'aurais peut-être pu l'avoir. Moi, j'étais pas bien, mais j'aurais peut-être. Tu l'avais, je pense. La 9-5, 4 balles de match, 4 balles de tir. Se décale, elle direct une vide, ça réglerait tous les problèmes. Allez, Chiquita, elle est magnifique, juste allez, sous le filet. Je tente le lob. Tu continues, hein, tes bons lobes, hein. Toujours pas de faute. Et ça finit là-dessus, le Pessant, l'aventure en Pessant qui s'arrête. Défaite sur le super tie-break. On s'est quand même bien battu en deuxième set. On a été absent, mais un super tie-break où je suis content en voyant les images. Je sens que j'ai beaucoup appris. Super tie-break de dingue. Hein. Eh bah écoute mon cher Michel, c'était un plaisir de commenter avec merci vous. Merci bien. On se retrouve au bas où ça va. Je sais pas. Sympa. Défaite en 3-7. Défaite en 3-7, mais. C'est la vie, ça joue vachement. Oh le smart, putain, non. Non, parce que. Là, le mec, dès qu'on fait une défaite, parce que j'ai rien compris pour moi, je pensais que c'était genre un super tie break pour le deuxième set et que ça partait. Ah, non, c'est loose. Ok. Non, c'est loose, mais en vrai, c'était sacrément cool. Non, c'est vachement, t'as vachement bien joué. Le premier, c'était monstrueux. En plus, moi, j'avais assez bien joué dans le premier. Deuxième, petite baisse d'énergie, on va pas se mentir. Ah, j'ai totalement perdu tout le truc. Et super tight, t'as été super bon. Ouais, j'ai réussi à me remettre. Ils ont super bien joué, tous les points, ils ont très bien joué. Et c'est vrai que le moment où ils passent devant, ça met la machine. Mais non, honnêtement, bête d'expérience. J'ai trop kiffé. C'était génial. J'ai l'impression d'avoir trop appris. Et puis, au final, le scénario est cool. On est au fin fond de la mine sur le premier match. Et après, on se relève petit à petit. C'était vachement bien. T'as de mieux en mieux joué. Fin de ce Pessant et fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes et de commentaires à chaque fois. Alors on se donne sur le padel, là le but c'était de jouer avec Man, le coach, pour essayer d'apprendre. J'ai beaucoup appris, c'est déjà ça. On va servir de tout cet apprentissage pour 2024. Plus jamais nul avec Zary, on va aller le chercher ce P25. Sommet. Il faut aller le chercher et surtout n'hésitez pas à suivre ce monsieur Man Vives sur YouTube, sur Insta. Allez donner de la force, suivre un joueur pro padel, un vrai petit crack, il nous aide et en plus il est tout simplement bouillant. Donc vous allez vous régaler. Merci pour beaucoup. La force et on se retrouve très vite. Ciao. We'll be right back.